En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ton parcours pour arriver et atteindre cet objectif? Alors, mon parcours, les qualifications se sont faites au championnat du Gers. Donc, ils prenaient 3 qualifiés et je suis arrivé en finale au championnat du Gers. Donc, j'ai perdu la finale, mais j'étais qualifié quand même pour après le championnat de Ligue Occitanie. D'accord. Donc, au championnat de Ligue Occitanie, pareil, ils prenaient encore 3 qualifiés et j'ai gagné la Ligue Occitanie. Donc, du coup, j'ai été après qualifié pour le championnat de France à Flamanville. Et où j'ai eu l'honneur d'être champion de France, le premier champion de France de tir de précision. Donc tu rentres dans l'histoire un petit peu, c'est le premier championnat de France de tir de précision. Oui. Là vraiment tu rentres dans l'histoire parce que c'est la première compétition. C'est le premier, premier à vie. Bravo. Bravo. Donc quelle est la qualité en fait, vraiment, ou les deux qualités qui t'ont permis d'obtenir et d'arriver à ce niveau d'excellence? Après, la qualité, je me suis beaucoup entraîné. Hein. Quand j'étais au lycée, je rentrais chez moi, je faisais des tirs de boules. Mais après, voilà, c'est surtout dans ces compétitions-là, c'est beaucoup le mental qui joue. Il faut vraiment avoir le mental, il faut toujours avoir la hargne de gagner. Il faut toujours faire craquer l'adversaire avant, mais c'est comme ça qu'on gagne. Pour toi, quel est le projet là maintenant, peut-être imminent ou dans les années à venir, qui te sied le mieux? Le projet après, peut-être un jour espérer rentrer en équipe de France. D'accord. Après, continuer à m'amuser, faire plein de nationaux, d'internationaux et beaucoup de championnats de France. Parce que pour moi, à la pétanque, le plus important, c'est les championnats de France. D'accord. Plus en équipe qu'en individuel, du coup ou... Les deux. Le championnat de France, ça se gagne en individuel comme en équipe, donc le maillot, ça reste un maillot. Je voulais préciser que Frédéric travaille également comme aux espaces verts à la commune de Lectoure. Voilà, il est employé par la commune. Écoute, je te remets au nom donc, de la municipalité de Lectoure ce trophée. Et espère qu'aujourd'hui, tu es champion de France, demain peut-être champion du monde, et tu porteras haut les couleurs de Lectoure, du Gers, de la France. Voilà, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Merci Angelica, et bravo, vraiment félicitations pour ta super performance, vraiment exceptionnelle. Merci.